Professeur Joseph Assi Kodji, directeur général du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, a été distingué à l'édition 2021 du Prix africain pour le développement, PADEF, à Kigali au Rwanda, au cours de laquelle plusieurs personnalités et des chefs d'État ont été primés. C'était le 19 novembre 2021 à Abidjan que le lauréat a reçu son prix au cours d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée dans l'enceinte du CAMPC, si à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. À travers cette distinction honorifique, les initiateurs du PADEF ont bien voulu récompenser l'engagement du professeur Joseph Assi Kodji dans le processus de relance du CAMPC en cours depuis quelques années. Mais c'est notamment l'innovation et le pragmatisme qui caractérisent ce renouveau du CAMPC qui a amené les promoteurs à décerner ce prix qui vient récompenser une action saluée par les États membres de l'institution. À l'occasion, le décigramme du CAMPC a exprimé sa gratitude au jury qui a reconnu les efforts consentis durant les dernières années pour remettre en route l'institution et la sortie de la léthargie dans laquelle elle était plongée pendant plus d'une décennie. Professeur Joseph Assi Kodji a également indiqué que cette reconnaissance était celle d'un travail d'équipe qui marche et qu'il renforçait pour faire face aux nouveaux challenges qui se présentent au CAMPC. Initié par la Fondation 225, le PADEF a pour objectif principal de distinguer les bâtisseurs de l'Afrique dont les œuvres dans leur secteur respectif constituent des modèles de contribution au développement de leur pays. Rappelons que professeur Joseph Assi Kodji a déjà été distingué notamment comme commandeur dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale et officier dans l'ordre du mérite ivoirien.